moi Tours directement. Parce que je sais très bien que ça va se situer entre moins 1 et moins 2 tours. Alors pour ne pas la faire caler, j'ai mis moins 1. Et ça on va mettre moins 1, 1 quart. Voilà. Et on attend ce qui se passe. Le bon réglage sera quand le régime sera au maximum avec ce réglage de boisson. Là, ça n'a pas bougé. Je vais rajouter un huitième. Et j'attends. Apparemment, ça ne fait pas grand-chose. Je vais rajouter un huitième. Ça fera moins 1,5. Pour tester, mais je vous assure, hein, un bon réglage de la vis d'air à bas régime au démarrage, là c'est top. Ça va laisser barrer. Et en plus ça caille aujourd'hui. Bon alors je vous rappelle, hein, moteur chaud. Alors moteur chaud. On met un poil de ralenti en plus pour bien entendre le moteur. Bon, tant pis, on parlera comme ça. Hein. Donc, on monte le ralenti, on serre à fond la vis d'air, on la desserre d'un tour, sinon ça pratiquement ça cale. Comme on sait que si c'est inférieur à un tour, c'est pas bon. Bon, on desserre d'un tour et après, petit à petit, en patientant au moins 30 secondes entre chaque petit réglage. Donc le temps que, pour laisser le temps au mélange d'arriver dans le moteur pour voir la différence. Et dès que vous êtes à fond, vous allez voir un peu plus haut
à fond, enfin, au maximum de au réglage de la hauteur de glaçon. Vous allez un peu plus loin pour vérifier. En général, ça ne change rien. Ensuite, vous revenez à la valeur maximum. Moi, ici, donc, c'était moins 1, 3 quarts. Et bon, moi, je le fais. J'enlève encore un chouïa pour qu'il y ait toujours assez d'essence, d'huile dans le mélange, enfin de richesse, en gros, c'est le, ouais, c'est du mélange, pour qu'il y ait du gras, quoi, en gros. C'est ça, du gras. Et après, on remet le réglage de hauteur de boisseau normal. Et retour à la maison. Vous voyez, j'ai pas bougé, ben la maison, elle est là. Bon, mais faut pas rêver. Je crois que c'est cette année qui commence. Je vous fais un tour d'horizon. Ici, ils vont construire pratiquement un nouveau quartier. Ben là, sur toute ma zone, une école, des commerces et tout ce qu'il faut. Bon, ben, c'est la vie. Allez, merci de m'avoir suivi.